السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه لا فيديو. هذه وين رايحين؟ نحاولوا نتعلموا كيف نكالكوليو لي زامورتيسمون. اون فا سيزير لوكازيون تاع لو كالكول هذا باش نطبقوا واش تعلمنا في لا فيديو الاولى ولا فيديو الثانيه. دونك هنايا انا باغي البرنامج تاعي هو باغي نسيزي خمسه ولا سته les investissements ou on calcule les amortissements de tahom ou on imputehom fait la comptabilité. Très bien. Alors, qui fait saisir les investissements? Donc, roh l'extra, roh la gestion des investissements. Donc, hna ya andi le module تاع les investissements. كما تشوفوا ما كان فيه حتى investissement. Donc je vais directement commencer à saisir les investissements. Alors la méthode اللي نبدا بها هنايا نروح l'édition individuelle. Comme vous voyez, هذا هو l'écran تاع le détail تاع un investissement. Par rapport à la vidéo 2 وين ورينا كيف نسيزيو les investissements, انا غيرت شوية باش صلحتو باش يكون احسن واسهل للتعامل. هنا ندير اجوتي باش ندير ان انفيستيسمون. فوالا لوجيسيال ديريكتومون يعطي لي لو برومي انفيستيسمون، دونك عطى له 001. ماهوش اوبليغاتوار نقبل 001 مثلا، الا ما عنديش بزاف لي انفيستيسمون نقدر ندير 01 الاول، مي احسن نديرو 4 شيفر سو دوفري اتر سوفيسون. بعد دير اونتري. هنا في اللوجيسيال من قبل كنت سيزيت بليزيور افيكتاسيون. هنا دونك علاه البلوس هذا موجود هنايا؟ معناتها صافي دير كي نتكا على بلوس يجي يفتح لي لو كومبو هذا، يعني يصدر هذا لاجون هذا وين يعطي لي يقول لي كاينين 3 زافيكتاسيون. نخير لافيكتاسيون الاولى وندير اونتري. فوالا يروح لي للكونت. هنا ثانيا نقدر ندير بلوس هكذا. الوغ ندير ان كونت مثلا 218. فوالا نخير هذا 218000 تاع لو نيميرو دو كونت وندير اونتري. يعقب لا ديزينياسيون هنا جو ميتر كيك شوز دو تري سامبل. ندير انفست بلوتو انفست 01. دونك لانفستيسمون 01 كونتيتي بروبوزي لي ان نقبلها. هنا لو ديبي دامورتيسمون نقدر ندير مثلا قديم 01 01 2005. فوالا لا دات داشا يبروبوزيها لي، مي نقدر نغيرها. لو مونطون دو لاشا بون، هنايا باغي نخير في الانفستيسمون هذا. سيت ان انفستيسمون كي ايتي ريفالوي، سافو دير كو لو مونطون دو لاشا ايتي ريفالوي، لو كومولي تاعو ايتي ريفالوي، و لو سيستيم دامورتيسمون تاع هاد الانفستيسمون سيت ان سيستيم دو ريفالوي. دونك هنايا جوي supposé la réévaluation TI sera de 3 millions de dinars. Voilà. L'amortissement cumulé, il a été réévalué à 2 millions de dinars. Bon, on est le mode, on est dire plus, on a un dit linéaire, dégressif, progressif, réévalué ou l'anéant. Je vais choisir réévaluer. Dire entrée. Le taux d'amortissement qu'on va pratiquer, c'est 10%. Vous voyez, il propose 1 million. Où est-ce 1 million? C'est la VNC, c'est-à-dire c'est 3 millions de dinars moins 2 millions de dinars égale 1 million de dinars de la valeur nette comptable qu'on va utiliser. Bon, coefficient mécanique, nombre d'années mécanique. Le taux de réintégration, c'est 0%. Alors, qui est le rapport entre le montant plafonné de l'investissement et le montant de l'achat, c'est à la moitié, on dit 50%. Puisque je vais dire réintégration, on dit 0. Bon, le code d'inventaire. Où est le code d'inventaire? D'ailleurs, je vais vous dire comme le Mouhima, qui est un plus, on dit plus. Code d'inventaire, c'est-à-dire l'investissement, il est existant, il est réformé, il est accident de. Voilà, autre existant, autre désactivé,
inexistant, volé il a acheré. Donc, c'est des possibilités. Mais en général, le plus courant, c'est toujours existant. Voilà. Dire existant. Le logiciel, il dit, je me compte, t'as morté, c'est-à-dire le 28 Tao. En général, quand on dit le logiciel, il intercale le 8 entre les deux premiers chiffres, il dit 28, 180. Donc, il y a, je vais faire plus, je vais faire 28, 180. Voilà, how Jibli, le logiciel Algerco propose l'amortissement. Très bien, dire entrée. Nous le code de structure. Le code de structure au Chihuahua, c'est le cas des entreprises qui ont plusieurs unités. Donc, ils ont plusieurs TCR. Donc, le logiciel qui amortit le matériel, il tient la structure. Est-ce que l'unité 1 ou l'unité 2? Si je fais plus, j'ai créé partagé. 00, c'est le code partagé. C'est-à-dire qu'il est utilisé par toutes les unités. 01, 001, c'est l'unité 1 et 002, c'est l'unité 1. Je vais dire que c'est un investissement partagé, donc on dit triple 0. On dit le numéro de compte de dotation. Donc, c'est, il est marqué tout sur le logiciel le 68 suivi du 218. Donc, ça va être 68. 218. Donc, on a besoin de plus. 68, 218. C'est l'investissement. Donc, on a besoin de sauver. Comme tu vois, je viens de saisir un investissement. Bon, maintenant, je vais quitter. Je vais revenir l'investissement. On a besoin de la liste des investissements. Alors, Gwita qui saisit l'investissement, on a une autre méthode pour saisir les investissements qui sont là. Donc, on va autoriser la modification. On dit que l'emplacement est un numéro de compte. On dit la touche de direction vers le bas. Et il y a une possibilité pour saisir un investissement. Donc, je vais utiliser toujours le même numéro de compte parce que c'est important. Le numéro d'inventaire, je vais mettre, c'est le deuxième inventaire. Là, je vais mettre un Vest 02, donc c'est le deuxième investissement. Voilà, la quantité 1. La date d'acquisition, comme vous voyez, l'exercice est à 2016. Donc, je suppose, maintenant, Cherito en 2010. Hein? Je vais mettre, maintenant, Cherito 01 2010, ça l'a mis en 2016. Supposons que l'investissement hada, il est non amorti. Donc, on met la valeur de l'achat, par exemple, 2 millions de dinars, moi je m'ohim, puisque c'est des valeurs fictives. Voilà, 2 millions de dinars. Et là, je vais demander au logiciel de ne pas l'amortir. Donc, on dit néant, non, alèche. Au lieu de dire là, je vais mettre 01-01-2016. Je vais amortir parce que pour une raison ou une autre, je vais mettre l'investissement à 100%. Voilà, il est acheté. Donc, on dit l'amortissement néant. Le taux, on dit 20%. Le cumulé Tao, c'est 0. Voilà. Déjà couru. C'est qui dit 0 déjà couru. Voilà. 2015, je m'en ai déjà couru. Maintenant, ça veut dire que la dernière année, il pratiquait l'amortissement. En général, qui nous donne 2016, ça doit être 2015, c'est la dernière année. On peut écrire 2015 là, voilà, qui a de nouveaux investissements, on peut écrire voilà, خلاص. Il n'y a pas de VNC pour l'instant. Réévaluer, non. Alors, là, les amis corrigent l'investissement, réévaluer, ils disent oui. Bien sûr, parce que rien amorti par la méthode de réévaluer. Alors, qu'est-ce qu'il y a l'écart de dotation? L'écart de dotation, en général, le logiciel est calculé. Mais c'est ce que je veux dire. L'amortissement fiscal ou l'amortissement comptable, c'est kif. À ce moment-là, il y a le logiciel, la différence entre la dotation comptable et la dotation fiscale. تكتب هنا بصح لوجيسيال في المومون وين تكالكولي راح يعمرها وحده لو كون دامورتيسمون جو ميتر 281 800 كيما هذا 682 100
80, je vais utiliser les mêmes numéros, Malinesh, l'affectation Ngulu 001. Si je fais plus ici, ça marche aussi. Je peux le mettre dans une autre affectation. Bon, l'affectation n'est pas importante pour ça. Le code d'inventaire, on va mettre 0. Le code d'inventaire 0, ça veut dire existant. Très bien. Zid un autre investissement. Vous voyez, c'est très facile. Là, 218 00. Je vais mettre 003. L'investissement 3. Investissement 03. Voilà. 1, le nombre, la date d'acquisition, Diru, par exemple 01-01-2016, très bien. L'achat, Diru, qui met les autres achats, je vais comparer, je fais des comparaisons. Le mode, je vais utiliser plus, voyez, ou dire linéaire. Alors, qui est linéaire, je vais donner le 20% par exemple, voilà 10%, je vais utiliser 10%, d'accord? 10% à l'amortissement linéaire. Nombre d'années au taux de réintégration zéro, il n'y a pas de réintégration. La dotation fiscale cumulée pour l'instant, rien du tout. Le cumulé, mais 15 chiffres, déjà couru dans le 2015, voilà, Mendirch. Bon, je vais mettre pour cette fois-ci Mendirch. VNC, mais 15, réévaluer, non, voilà. Ce n'est pas un investissement réévalué. L'écart de dotation Mehemnich, 281 800. Voilà, 682 180. Voilà. L'affectation, c'est toujours 001. Elle est à code d'inventaire 0, ça veut dire existant. Zid un autre investissement, 218, la même chose. Voilà, 218 00. Voilà, 004, plutôt 04. C'est l'investissement, voilà, investissement 04. 1, la quantité, la date d'achat, je dirais le 1-01-2016. Je dirais la même date, je vais comparer les dotations, je dirais l'achat de l'année, kif-kif, 2 millions de dinars. Je vais mettre un amortissement au le plus. Au lieu de dire linéaire, je vais dire dégressif. Alors, dégressif pour une explication rapide. Dégressif, ça veut dire que le matériel va être amorti. La première année, il va être amorti. Bzef. Alèche. Parce que mon il y a comme une exploitation de carrière, les débuts d'année, l'engin. Pardon, téléphone. Donc, dégressif, ça veut dire qu'on commence à amortir des gros montants, on va de naxo, parce que. Après 4 ans, on sait que le matériel va y aller, mais il produit beaucoup, donc automatiquement l'amortissement va être. Et le progressif, c'est le contraire. C'est-à-dire que qui achète un investissement, fait les débuts, mais où il va y beaucoup parce que c'est l'usine, c'est où nous l'avons créée, etc. باش ما نكثروش على رواحنا لي فري دونك نديروه بروغريسيف لو ديبي شويه نو سافون كو ابري كيلك زاني ليزين تولي تمد لو ماكسيموم تاعها اي اسمو مولا اون فودري ان امورتيسمون يكون ماكسيموم دونك لو ديغريسيف سي لو كونترير دو بروغريسيف و سو كون بو نوتي ا تيتر ديكزامبل سي با اون ريغل جينيرال مي لو لينيير جاي ما بيناتهم دونك لو لينيير لامورتير تو لا دوتاسيون لينيير تكون في الوسط ديغريسيف هو الماكسيموم والبروغريسيف هو مينيموم في لا بروميير اني بيان سور. بون هنا اون فا توجور بروندر 10% تري بيان. دونك الوغ في الديغريسيف نو سوم اوبليجي دو دوني ان كوفيسيون دونك هنا اون فا دوني ان كوفيسيون دو 5 والنومبر داني اون فا دوني 10 تري بيان. Bon, on est نقدر نبدل هذا. Mais au fait, si j'appuie sur ce bouton-là, vous notez que le logiciel prend toute la fenêtre pour nous donner beaucoup plus d'espace de travail. On a la réintégration dire 0, donc je vais me permettre d'agrandir là.
باش نشوفوهم كيما لازم الحل لي كوفيسيون فوالا لا دوتاسيون دونك ما كانش دوتاسيون فيسكال كوميلي ما كانش ديجا كوري نقدر ندير 2015 في ان سي ما كانش هنايا نو ايكار دو دوتاسيون يتكالكولا وحده هنا 281 800 هنايا 682 180 voilà هنا 001 l'affectation 001 ou هنا 0 très bien هنا je vais ajouter un autre investissement 218 la même chose 00 هنا 005 05 voilà هنا c'est le cinquième investissement 05 هنا 1 pour la quantité la date نديرو ماشي ثانيه في 2016 très bien 2 millions de dinars تاع l'achat dès le mode plutôt voilà dès non la, c'est P c'est progressif dire plus voilà ou il progressif très bien maintenant je vais mettre 5 années la même chose 10 le taux et 10 le nombre d'années. Bon, bien sûr, les formules d'état progressive et dégressive, vous pourrez le vérifier vous-même, puisque vous êtes des comptables. Donc, comme les formules d'état dégressive progressive, vous allez voir qu'une calcul ou l'amortissement, vous allez pouvoir vérifier à votre S. Donc, le taux de réintégration dire 0, la dotation 0, on est à toujours 0, on est à dire 2015. Ou on a dit VNC 0, on a dit néant, donc je vais évaluer, non, on a 281 800, donc c'est la même chose, on a 682 180, voilà 001 ou on a 0. Bon, je vais ajouter un investissement, le cas où nous avons un taux de réintégration 00. 06, voilà, invest 6, hnaya, voilà, invest 06, on va dire quantité 1, on va dire 01-01-2016, je vais mettre, je l'ai acheté à 2 millions de dinars, très bien, supposons que c'est un véhicule, alors l'amortissement théo, il est linéaire, voilà, on va dire par exemple 20%, voilà 10% si j'ai envie hein? 10% le taux de réintégration je vais mettre 50% elle est 50% parce que le véhicule chérineb 2 millions de dinars haoula chateau on sait que l'administration fiscale t'akbelgher 1 million de dinars d'amortissement donc 1 million divisé par 2 millions c'est 0,5 multiplié par 100% égale 50% de réintégration. Vous allez voir la différence qui est calculée ou l'amortissement. Donc, on est en 2015, très bien, 0, 1, 0, 281 800, voilà, 682 180. Au fait, j'aurais pu mettre le matériel de transport, les comptes, mais ils ne sont pas importants pour nous, pour la démonstration. Très bien. Je viens de terminer. Donc, je vais dire protection contre modification. Donc, les investissements TI, vous voyez qui sont maintenant. Pour le calcul, c'est très simple. Donc, Roha demande ce qu'on appelle une écriture d'amortissement. Donc, cliquez là. Logiciel Igouli, sélectionnez la date limite du calcul d'amortissement. Vous voyez qu'on peut calculer les amortissements le 30 juin, le 1er avril ou enfin n'importe quelle date. Oui, il me propose 31-12-016 parce que nous sommes fait l'exercice 2016. Dire entrée, logiciel au cas d'elle l'écriture d'amortissement 682, d'elle le montant. Voilà, très bien. Donc, je peux l'imputer la comptabilité. Je vais faire imputer. Voilà, attention à la double imputation. Imputation réalisée avec succès. Je reviens, je vais observer maintenant. Le tableau TI, vous voyez le logiciel d'Elli 100 000 dinars. Qu'est-ce que 100 000 dinars 100 000 dinars, ce n'est pas le montant de l'achat par 10%, parce que ce serait 300 000 dinars. Plutôt, puisque c'est un investissement réévalué, donc l'amortissement TI dit la méthode de la VNC multipliée par
le taux. La VNC Tana, vous avez vu qu'elle est égale à 1 million de dinars. Donc automatiquement, 10%, le taux d'amortissement multiplié par 1 million de dinars, de les 10 000. Donc il a utilisé la méthode de réévaluation. La deuxième ligne néant, vous voyez la dotation d'air à zéro, parce que Gutlu Matamortish, donc il n'a pas amorti, donc c'est très bien. Le troisième investissement, c'est linéaire, donc c'est le montant de l'achat qui est de 2 millions de dinars multiplié par 10%, c'est 200 000 dinars. Très très bien. La dotation fiscale, puisque le taux de réintégration néant, il est égal à zéro, hein? Le taux de réintégration égal à zéro au néant, donc automatiquement, la dotation aux amortissements comptables et fiscales sont les mêmes. Très bien. Je passe à l'investissement numéro 4. Ça, c'est le dégressif. Le montant de l'achat, c'est 2 millions de dinars. Et vous voyez que la dotation, elle est de 1 million de dinars. La dotation fiscale, elle est de 1 million de dinars. Alors, pour un titre de comparaison, la ligne suivante, progressif, elle est uniquement de 36 000 dinars. Ou comme vous voyez, le linéaire, il est de 200 000. Donc, 200 000 Mawjoud Mabin, 1 million et 36 000. Ça veut dire que, parce qu'on a pris les mêmes coefficients, bien sûr, ça veut dire que l'amortissement linéaire, il reste des valeurs normales. Mais ça fait dégressif, puisque le matériel s'use rapidement. Il a pris 1 million de dinars. Mais ça, comme le troisième qui est progressif, il n'a pris que 36 000 dinars. Donc, c'est très bien. Maintenant, nous allons au dernier investissement, c'est le numéro 6, où il y a ce qu'on appelle un taux de réintégration de 50%. Vous voyez très bien que le taux d'amortissement, l'amortissement, il est de 2 millions de dinars par 10%, c'est 200 000. Comme on a 50% de réintégration, 50% de 200 000 égale 100 000. Vous voyez que le logiciel a très bien calculé les amortissements et c'est comme ça que ça se fait. L'écriture déjà qui nous l'avons imputée directement et c'est ce qu'on voulait. Alors donc maintenant nous allons quitter momentanément. Rochonchoufou l'écriture tana les agbafel brouillard. Voyez 682 180 au débit par le crédit du 281 800. Donc c'est l'écriture d'amortissement que nous allons pouvoir valider. Voilà. Très bien. Je vais peut-être même me permettre de voir par exemple la balance générale. Voilà. Imprimante. Très bien. Il y a uniquement. Attendez, pas ici. Hein. Livre. Bien sûr, de la date du document au 31-12. Les 16. Voilà, écran. Voilà, fait l'écran. On a vu les deux comptes lit ou SEO. Donc, ça, c'est le grand livre. On peut même aller voir la balance. Bon, c'est bon ici. Donc, nous avons vu l'écriture d'amortissement. Nous allons voir directement l'état d'amortissement fiscal. Hein? Les autres états, nous allons faire la vidéo prochaine qui sera réservée aux états. Donc, l'état d'amortissement fiscal, voilà, je le fais. Voilà, l'état TI, bon, je ne le vois pas très bien ici parce que c'est un écran de saisie TI vidéo, mais il est un peu spécial, il est réservé. Mais si je vais l'année, vous allez voir que les investissements TI, qu'il y a un investissement, il y a 50% de réintégration. La dotation comptable de l'exercice est 200 000, ou la dotation fiscale c'est 100 000, et la différence, l'écart de dotation, c'est 100 000. Donc vous voyez ici, voilà comment on a fait notre tableau, les amortissements fiscaux. Ben, je suppose que je